Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Cassandra Nadeau-Fortier. Je suis membre Lion du Club Lion de Sainte-Marie. Aujourd'hui, le 14 novembre, c'est la Journée mondiale du diabète. Comme certains d'entre vous le savez, le Club Lion de Sainte-Marie a à cœur le diabète. Donc, pour ce faire, cette année, nous avons organisé une rencontre avec Lion Robert Bacon, président du Club Lion Québec Diabète, mais avant tout, qui est un patient diabétique et, devrais-je plutôt dire, une personne passionnée par le diabète. Aujourd'hui, nous aborderons principalement certaines conséquences possibles en lien avec le diabète. Vous avez probablement remarqué au cours des dernières semaines que des questions en lien avec les complications sur le diabète ont été publiées sur notre page Facebook du Club Lion. Alors aujourd'hui, c'est le moment tant attendu pour lequel nous aurons des réponses à ces questions-là. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur Lion Robert et je lui laisse le soin de se présenter. Alors, merci Lyon Cassandra pour l'introduction, c'est gentil. Alors, mon nom est effectivement Lyon Robert Bacon, président du Club Lyon Québec Diabète et président de la commission diabète à travers le district depuis deux. Je suis diabétique de type 1 depuis plus de 25 ans et impliqué au niveau du diabète pour les mêmes raisons, le même temps. Je suis président de l'association Diabète Rive-Nord sur la Rive-Nord de Montréal. Je suis aussi président de JAID Québec, l'association des jeunes adultes insulino-dépendants, donc des jeunes de type 1 à travers la province. J'ai été aussi longtemps comme membre du conseil d'administration de Diabète Québec et aussi porte-parole et conférencier pour Partenaire Santé, qui est un organisme qui fait des levées de fonds auprès des entreprises pour les soins de santé à travers la province. Donc, je suis impliqué et j'en connais un petit bout sur le diabète. Oui, ben merci beaucoup, Lion Robert. Effectivement, donc on est très, très choyés là, de vous recevoir ce matin aussi avec nous. Alors, on va commencer avec la première question qui avait été posée là, sur notre site Facebook. Donc, est-ce que le diabète est mauvais pour le cerveau? Je vais vous dire tout de suite oui. Pourquoi? La réponse est simple. Les conséquences du diabète, c'est le durcissement des artères. C'est une des constatations qu'on peut en faire. Et évidemment, si notre cerveau en est atteint, parce que les micro-artères, évidemment, qui irriguent notre cerveau peuvent se boucher, on a moins je voudrais vous dire, moins de sensibilité, moins. Ça peut amener un exemple, parce que ça a été prouvé, l'Alzheimer, des choses comme ça a été prouvé aussi que ça nous apporte des choses comme ça. Donc, oui, c'est mauvais pour le cerveau. Un. Deux, évidemment, les hypos, c'est mauvais pour le cerveau, parce que notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, pour avancer. Et tous les diabétiques de ce monde vont dire, lorsqu'on est en hypo, on se sent vraiment pas bien, parce que le cerveau réagit. Donc, est-ce que c'est mauvais à court et à long terme? Oui. Super. La deuxième question qu'on a, c'est est-ce que le diabète peut être responsable d'un certain nombre d'amputations, mais qui sont non liées à un traumatisme? La réponse va être malheureusement encore vraie. Le diabète est responsable de plus de 70% des amputations non traumatiques. Que ce soit clair, là, sur les amputations, 70% des amputations qui ne sont pas dues à un accident sont généralement liées au diabète. Encore une fois, pourquoi? Parce que les artères se bouchent. Malheureusement, la gangrène peut s'y prendre et l'amputation est due. On se souvient tous des histoires d'horreur de nos grands-parents qui se sont fait amputer un pied et une jambe. Et dans le temps, on ne visait pas nécessairement le diabète, mais la cause est là, malheureusement. Merci. Donc, aussi, on avait comme autre question, donc, puis-je perdre mon permis de conduire à cause du diabète? Excellente question. Et il existe des documents, puis je me ferais plaisir de le faire à qui il veut bien l'avoir, de le faire parvenir. Mais la réponse est oui et non. Pourquoi je vous explique? C'est que non, on ne vous retirera pas votre permis de conduire parce que vous êtes diabétique. Mais oui, un médecin, un endo ou même un spécialiste pourrait vous dire que tu n'es pas assez en forme pour garder ton permis de conduire. Donc, la réponse, d'abord, le diabète est une maladie à déclaration obligatoire sur votre permis de conduire. Ça, c'est un. On ne vous l'enlèvera pas, je vous rassure, parce que vous êtes diabétique. Mais si votre médecin, surtout à partir d'un âge, je dirais raisonnable, le mien, l'exemple, à 65 ans, mais votre médecin peut vous dire, ben, on va passer des tests parce que tu contrôles mal ton diabète et tu es un risque pour la population. Donc, on pourrait, je dis bien, on pourrait vous l'enlever, mais ce n'est pas automatique. Vous ne perdrez pas votre permis de conduire parce que vous êtes diabétique.
Super. Puis il y avait aussi le contexte également là, que des fois, ce que ça peut faire, c'est que bon, le diabète peut causer ce qu'on appelle des rétinopathies. Donc, il y en a qui peuvent développer certains troubles de vision aussi en lien avec leur diabète. Donc, on parle de complications aussi à long terme, mais ceux qui ont des problèmes de vision aussi, on tend à croire que ça pourrait nuire là, pour l'obtention du permis de conduire aussi. Donc, merci aussi encore pour cette réponse-là. On avait une quatrième question qui était pourrais-je vivre des difficultés en lien avec ma libido ou ma virilité à cause du diabète? On l'entend souvent là, dans notre population, donc j'aimerais vous entendre sur le sujet. Effectivement, et c'est un fait connu que oui, on peut le faire. Et la plus belle image, ben, si vous me permettez, je vais vous présenter un jeune homme en santé. Et notre jeune homme en santé, il est diabétique, même s'il est en santé, on va dire qu'il est diabétique. Alors, imaginez votre diabétique qui s'injecte de l'insuline 2 ou 3 fois par jour. Alors, je donne de l'insuline ce matin. Si vous regardez ce qui se passe, ben, oups, même qui est parti plus vite que moi ce matin, c'est sûr qu'il va perdre de la virilité, si je peux me permettre l'expression, et il va avoir des problèmes érectiles chez monsieur. Et toute la volonté que vous voudrez, si je reprends moi-même monsieur, puis je dis, ben, je vais t'aider, je mettrai tout mon effort, c'est impossible. Il y a un petit problème là, au niveau de son intimité. Alors oui, ça cause des problèmes au niveau de la virilité masculine. Et chez les dames, le diabète peut amener évidemment des infections urinaires, choses comme ça, ou un inconfort aussi là, dans cette partie intime. Donc oui, ça cause des problèmes chez la majorité des personnes diabétiques non contrôlées, évidemment. Oui, bien, c'est ça, je pense que vous disiez aussi, c'est à cause, comme un petit peu plus tôt, vous disiez avec l'atteinte au niveau des vaisseaux également, là. Donc, c'était plus aussi dans ce contexte-ci que ça pouvait se produire. Évidemment, sans rentrer dans les détails de la biologie humaine, vous savez très bien que l'organe masculin est composé de corps caverneux que le sang irrigue. Mais si vous avez ces corps, ces artères-là, ces veines-là bouchées par le diabète, il ne peut pas y avoir d'érection. Donc, oui, effectivement, ça amène un autre problème par rapport à ça. Super, Donc, merci. de là, notre monsieur, qu'on mettrait les efforts qu'on voudrait, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est plus difficile. Donc, il y en a aussi qui ont des fois recours à certaines médications suite à une discussion avec leur professionnel de la santé aussi. Ils peuvent Effectivement. parfois aider là, dans certains cas. Ça dépend vraiment de chacune des personnes. Dites-moi, on avait aussi une dernière question qui est Robert. Donc, si vous me permettez, le diabète peut-il être une des principales causes des maladies cardiaques? Non seulement il le peut, mais il l'est. Encore une fois, il faut comprendre que le diabète bouche vos artères. Donc, imaginez tout simplement, et l'image, je m'amuse souvent en conférence à parler que c'est surtout, je dois dire que les messieurs qui ont travaillé dans la construction, si on prend d'une chaudière de ciment puis qu'on mélange de tout et de l'eau, ça va faire un bloc solide et ça va boucher les conduits. C'est le même principe. Et évidemment, le cœur humain est constitué de milliers de centaines de conduits. Donc, si ça se bouche, mais oui, on a des problèmes cardiaques. À tel point que quand on rentre à l'Institut de cardiologie de Montréal, à titre d'exemple, vous êtes déclaré diabétique avant même qu'on ait fait un test quelconque chez vous. Parce que c'est une des maladies, c'est une des causes premières des problèmes cardiaques qu'on rencontre chez les gens là, atteints de diabète. Oui, effectivement, là, à ce niveau-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça c'est un bref résumé, comme on Bref, dit, de la situation. Je pense qu'on pourrait en parler des complications quand même là, pendant là, quelques heures, là, si on voulait. Évidemment, c'est sûr que là, c'était je vais dire, un bref résumé de la situation. Très bien vulgarisé. Merci beaucoup, Lyon Robert. Là, c'est pas toujours évident de vulgariser ça. Puis j'ai beaucoup aimé votre analogie aussi avec le bloc du ciment. Là, on dirait qu'on s'imagine bien là, comment ça se passe le diabète aussi. Donc, évidemment, c'est sûr que ça remplace en rien le jugement d'un professionnel. Donc, s'il y a des personnes qui ont des inquiétudes, qui aimeraient en discuter avec leur professionnel de la santé, je pense que c'est toujours là, la bonne façon de faire aussi. Mais au moins, des fois, ça nous aide à nous sensibiliser un petit peu que des fois, le diabète, ça peut causer certaines complications, puis on s'en rend pas nécessairement toujours compte, hein. C'est pas quelque chose qu'on ressent nécessairement. Donc, je pense que c'est bien toujours d'en parler là, avec un professionnel de la santé. Il y a toujours, oui, les médecins, mais il y a toujours plusieurs. On travaille la majorité aussi beaucoup là, en collaboration interprofessionnelle. Donc, il y a plusieurs autres professionnels qui pourraient vous aider là aussi.
Donc, on espère que ça vous a quand même plu, là, ce type de rencontre-là, là, donc on dirait assez succinct. Puis vraiment, merci encore mille fois, Lyon Robert. Là, on voit que vous êtes un passionné, là, du diabète. Puis merci énormément d'avoir pris de votre temps, là, pour bien venir nous expliquer, là, les complications en lien avec le diabète. C'est tout plaisir pour moi, Lyon Cassandra. Et oui, effectivement, on rappelle aux gens un dépistage, aussi banal soit-il, chez votre pharmacien ou chez votre médecin. Posez la question aussi. Une hémoglobine cliquée, ça prend, c'est un test sanguin rapide que le médecin va juste cocher sur votre feuille, mais qui va non seulement vous rassurer, mais qui peut aussi vous aider. On vous rappelle que le 14 novembre, c'est la Journée mondiale du diabète en l'honneur de Dr. Banting. 1891, il est né le 14 novembre, c'est son anniversaire de naissance. Et c'est lui qui on lui doit la découverte de l'insuline, qui est une invention, une création canadienne. Et il a sauvé des milliers de vies, dont la mienne. Je vais le remercier par la bande. Donc, merci beaucoup, Cassandra, pour le temps que vous accordez à la cause. Ça, pour moi, c'est Merci à vous spécial. également. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit.